un enfant, Piotr. C'est merveilleux. Ta femme est enceinte. J'y arrive plus. Arrête, Alain. T'as choisi, tu soignes pas des varices, t'es cancérologue, tes patients meurent, voilà. Tu vas te faire bouffer avec un type comme ça, hein? C'est un grand avocat. Tu t'es acheté une nouvelle robe? C'est pas de ma faute. Papa vient dormir ici ce soir. Tu te démerdes, je veux pas le voir. Juliette est là. On passe à table? Alain, toi, en tant que médecin, tu dois la vérité. C'est pas une dette, la vérité. Pardon, mais vous défendez principalement des ordures? Je suis pénaliste. Seulement des ordures très connues. Moi, j'ai quelqu'un. Tu sais? Mais j'ai une réputation de salope que je ne mérite pas du tout. C'est pas les troncs qu'il faut lui ligaturer, elle, c'est les cordes vocales. Nous, on a des jumelles. Ah, les jumelles, c'est plus dur, non? Surtout les vraies. Les nôtres sont fausses. Oui, il y en a une qui est très éveillée et l'autre complètement abrutie. Bah, comme ça, au moins, on les reconnaît. Hein. Je vais partir, je te dis. Où ça? Je quitte Alain. Je vais lui dire que je pars, que j'ai quelqu'un, que... Quand il est mal, je suis mal, et quand il est heureux, je suis bien. C'est peut-être ça, finalement, un couple. J'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde. Moi, si. Une seconde. Je sais. C'est partout pareil, non? À part chez le psy, à dîner, au boulot. On ment tous. On fait tous semblant d'aller bien. J'ai encore dit une bêtise? Bon, ben, allez, à votre bonne santé. Donc, allez, à la vie. À l'avenir. À l'amour. J'ai déjà passé une soirée de merde, à bouffer de la merde avec une bande de connards qui racontent. Bonsoir. Le code a changé ou quoi?